Bonjour tout le monde. Good afternoon, everyone. Je suis très, très content de pouvoir recevoir mon ami Emmanuel, le président Macron, ici au Canada, mais particulièrement content de pouvoir l'accueillir ici chez moi à Montréal. On aura l'occasion de se revoir d'ailleurs dans une semaine au sommet de la francophonie à Paris. Et à travers des conversations comme celles qu'on a eues aujourd'hui, on voit à quel point les intérêts et les priorités de nos deux pays sont alignés. Une de ces priorités dont on a parlé aujourd'hui, c'est le développement de l'intelligence artificielle. Depuis longtemps, le Canada et la France travaillent ensemble là-dessus, mais surtout sur le développement responsable de cette technologie. Et ça tombe bien, Montréal est déjà une plaque tournante du développement de l'intelligence artificielle responsable. On fait énormément de progrès dans ce dossier. On a été le premier pays à se doter d'une stratégie nationale en IA. On est une référence mondiale en matière de recherche et de gouvernance, où on investit massivement pour aider nos universités. On a la plus grande concentration de start-up en IA au monde, et les plus grandes sommités en IA sont ici. Montréal et Paris ont aussi accueilli les deux premiers centres d'expertise ouverts dans le cadre du Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui rassemble maintenant 29 membres. Le développement de l'intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner nos économies, mais, comme je le disais, il faut que ce développement soit de fait de façon responsable. Dans les dernières semaines, j'ai d'ailleurs eu la chance de parler de tout ce potentiel et des dangers qui l'accompagnent avec Joshua Bengio, un expert mondial en la matière qui est installé à Montréal depuis très longtemps. As artificial intelligence continues to fundamentally change how our societies function, we must ensure that people in Canada, in France, and around the world benefit from this technology, but in a responsible framework. A framework that ensures that AI technologies respect the rule of law, human rights, and democratic values. If developed thoughtfully, AI can enhance productivity and reduce inequality, but that can only be achieved through smart policy developed in partnership with our friends and allies. Le Canada et la France travaillent ensemble pour atteindre ces objectifs. On va poursuivre notre partenariat de plusieurs façons, comme le sommet pour l'action en matière d'IA qui sera tenu en France en février, le prochain salon Viva Technologie à Paris, où le Canada sera pays à l'honneur, les initiatives sur la sécurité en IA menées par l'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle et le Centre national d'évaluation de l'IA français, et bien sûr à nos présidences du G7, le Canada l'année prochaine et la France l'année d'après, où il y a bien des années, on a lancé d'ailleurs le Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Le rythme de développement technologique, ça a aussi une influence sur un autre enjeu crucial pour nos deux pays, la défense et la sécurité. C'est pour ça qu'on va multiplier nos échanges pour améliorer nos réponses aux crises et aux conflits internationaux, aux tentatives d'ingérence étrangère, aux campagnes de désinformation et aux menaces de cybersécurité qui sont malheureusement de plus en plus nombreuses. That starts, first and foremost, with the defense of Ukraine in the face of Russian aggression. That's why France and Canada are committed to working hand in hand to help train Ukrainian soldiers, notably fighter pilots, to help Ukraine protect itself from cybersecurity threats, and to provide Ukraine with all the vital military aid it needs to win this war. We're also committing to partnering in the Indo-Pacific region, whether it's cooperating on strategic and military analysis or working towards deploying joint patrol missions. Ensemble, on va contribuer à la stabilité et à la sécurité dans la région Indo-Pacifique et assurer le respect du droit international et de la souveraineté des pays de la région. Bien sûr, le président et moi avons aussi abordé la situation au Proche-Orient, particulièrement des derniers développements au Liban. L'escalade des tensions qu'on voit aujourd'hui est dévastatrice. On demande à tous les partis de faire tout ce qui est possible pour protéger les populations civiles et permettre à l'aide humanitaire de se rendre à ceux qui en ont besoin. Je vais être clair, il faut absolument parvenir à un cessez-le-feu immédiatement. Ces jours-ci, quand on aborde des questions de sécurité, on ne peut pas éviter le sujet des changements climatiques.
la montée du niveau de la mer, le nombre croissant de catastrophes climatiques et le réchauffement de l'Arctique posent de nouveaux défis pour nos infrastructures et nos forces armées. C'est pour ça que le travail que le Canada et la France font là-dessus est aussi important. Nos deux pays sont parrains du Centre d'excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité, basé ici à Montréal. Et alors que le Canada accroît sa présence dans l'Arctique, on va pouvoir compter sur le soutien de la France dans le cadre de l'opération Nanook, notre opération phare dans la région. We're adapting to this new climate change reality and at the same time, we're acting to protect the environment. Together, we're stepping up to address ocean pollution and the consequences of climate change. Pour mieux protéger les océans, il faut mieux les comprendre. Alors, nos deux pays vont travailler ensemble pour approfondir nos connaissances et encourager l'innovation grâce à plusieurs partenariats. Je pense entre autres à celui entre IFREMER et l'Université Laval, à l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime, au partenariat entre Parcs Canada et l'Office français de la biodiversité et à la plateforme franco-canadienne IDENOVATION. Le Canada et la France, les deux sont au front pour relever les défis auxquels on fait face ces jours aujourd'hui. En travaillant ensemble, on multiplie l'impact qu'on peut avoir sur la scène internationale. Et au-delà de l'amitié profonde entre le Canada, la France, les Canadiens et les Français, je peux aussi compter sur cette amitié que nous avons développée, Emmanuel et moi, au cours des dernières années, partagée dans notre engagement envers non seulement nos citoyens, mais le monde dans des moments extrêmement difficiles. C'est un plaisir incroyable de pouvoir œuvrer à tes côtés pendant qu'on bâtit un monde meilleur pour tous. Merci, mon cher ami.